Bonsoir, bien le bonjour, bien le bonsoir. Alors là, on va tester un gros bébé quand même. Hein, voilà. Alors, d'ailleurs, toujours pareil, merci à Gunner, c'est lui qui m'a prêté ce matériel. Allez voir dans la description de la vidéo, il y aura son Facebook, hein, sa page Facebook, où il partage pas mal de trucs de lampes, de couteaux, etc. Là, c'est une très grosse lampe. Alors, Asbeam K75. Alors, j'ai regardé sur Internet un petit peu et tout, je l'ai trouvé. Mais pas sur Amazon, alors je ne vous mettrai pas de lien Amazon. Hein. Mais je l'ai trouvé sur le net. Alors là, on est sur le gros modèle de lampe. Hein. C'est une lampe qui vaut quand même... alors, avec les batteries, parce qu'il y a 4 piles dedans, ça vaut 379 €. Voilà, on est prêt. Alors, c'est une lampe qui fait 6300 lumens. Et elle aurait une portée de 2,5 km. Alors, c'est possible parce que franchement, j'ai éclairé avec, c'est un sacré bordel. Dedans, il y a 4 piles 18650. Alors, l'autonomie, ce serait de 1h45 au max, hein, bien sûr. En mode turbo, quoi. Bonheur. Par contre, elle fait 22 cm de long. Alors, c'est déjà un beau bébé. Hein. 53 de diamètre ici. Par contre, au niveau de la tête, c'est plutôt 12,6, c'est un gros truc. Hein. Elle pèse 843 grammes sans les batteries. Alors, je pense qu'avec les batteries, on est facile au kilo. Hein. IPX8, bien sûr, 2 mètres, on peut la mettre dans l'eau et tout. Résiste aux chutes d'une hauteur de 1 mètre, ce qui est bien, garantie 2 ans. Et voilà. Bon, pareil, là, j'ai pas la boîte, hein. Je sais pas comment elle est livrée exactement. Mais bon, vous voyez dans ma main déjà ce que ça donne. Ouais, j'ai des grosses mains. Hein. Voilà, j'ai pas des petites mains, j'ai des grosses mains. Alors là, il y a un petit clip là. Peut-être pour accrocher une dragonne ou quelque chose. Le bouton pour l'allumage. Je vous mets un petit coup. Ouais, allez, juste un tout petit coup. Hein. Juste comme ça. Et on dévisse ici. Alors, il y a un petit joint, bien sûr, là. Et là, vous avez 4 grosses piles de 3100 mA du 18650. Il y a 4 piles dedans. Et voilà, c'est un beau bébé, en tout cas. Et je vous dis, à mon avis, avec les piles et tout, ça doit être facile 1 kg. Voilà. Voilà, vous voyez ce que ça fait. Là, c'est vraiment. Je suis obligé de finir en écran ultra grand angle, parce que sinon, elle ne rentre pas dans le cadre. Voilà, c'est un gros bébé et ça, je vais vous tester ça aussi, on va s'amuser, on verra ce que ça raconte. Voilà. Asbeam K75. Voilà. Là, il n'y a qu'un seul bouton et franchement, j'ai testé, ça éclaire de malade. Franchement, ça c'est, je sais pas, c'est plus qu'un phare de bagnole, hein, ça c'est un truc de fou quoi. Voilà, c'est un gros bébé quoi. On va tester ça et je vous tiens au jus quand je sais. Je vous filme ça la nuit, je vous montre ce que ça donne et tout quoi. Ah, allez, je vous laisse, à plus dans la vidéo. Bon, là on va tester le gros bébé. Hein. Le gros bébé. Alors là, elle est au minimum. Hein. Vous voyez la cabane déjà. Elle va augmenter. Hein. Alors, il y a un petit voyant sur le côté pour me donner l'état de la charge, je pense. Là, elle est au mini. On augmente. On augmente. On augmente. Voilà. Là, au mini. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Voilà, là, on a un fond. Ça éclaire même trop la cabane. Et après, il y a encore le mode turbo. Voilà. Là, c'est le plein jour. Vous voyez le faisceau? Voilà, dans les arbres. Là, je suis même tort aux oiseaux. Truc de fou. Tous les oiseaux qui sont en train de se barrer. C'est un sacré fort, ça. Oh là là. Truc de fou. On repasse en... Voilà, là on est à fond. On la remet au minimum. Je vais aller dans mon chemin comme d'hab. Voilà, là au minimum elle éclaire déjà largement. Voilà,
On va passer en mode 2. Voilà. 3. 4. Et turbo. Alors là, je vous raconte pas. C'est un faisceau lumineux hallucinant. Il y a tous les oiseaux qui sont en train de se barrer des arbres. Et le faisceau, c'est hallucinant. Bon, c'est un peu encombrant, hein, les grosses. C'est un très gros bébé à balader, quoi. Alors, passant au max, quoi. Mais pas le mode turbo, là. C'est un gros, gros bébé à promener, parce qu'elle pèse. Hein. Dedans, il y a 4 piles, 4 grosses piles, là. Je sais plus, c'est des 18650 ou plus. Mais c'est un putain de truc. Vous voyez comme ça éclaire le faisceau. Ça là presque il aurait fallu la tester quelque part où il y avait une distance de fou parce que je crois qu'elle éclaire je sais plus combien de kilomètres quoi. Bon, c'est un putain de bordel. Elle est énorme la lampe. Et là si je mets en turbo. Vous voyez le truc de fou. D'habitude je filme mon arbre là, mais bon, je trouve que c'est pas intéressant parce qu'on voit pas grand chose, mais dans l'eau, je sais pas si vous verrez là, là on voit rien. Presque je pourrais éclairer les poissons. S'il y avait quelque chose dans l'eau, là on le verrait. J'ai fait une radio aux poissons. Vous voyez les branches là de l'arbre? C'est un truc de fou, franchement hallucinant. Et là-bas dans les arbres, dommage qu'il n'y a pas des grands arbres ici là. Là c'est une radio quoi. Un mode turbo. Faisceau lumineux, à mon avis je vois des kilomètres ce truc. Comme dans le temps les discothèques. Là, le faisceau là. Hallucinant. Bon ça c'est du gros 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 bébé. Très cher. Très très cher. Voilà. Et ben, merci à Gunner encore une fois. Allez voir sa page Facebook dans la description. Et puis voilà. Bon ça c'est le genre de lampe, moi j'en voudrais pas. C'est trop gros, hein. Trop encombrant. Mais par contre, si vous avez besoin d'un éclairage de fou, là c'est le cas de le dire, c'est vraiment la plus puissante que j'ai testée de ma vie pour l'instant. J'ai jamais vu un truc aussi puissant quoi. Et après trois fois mode stroboscope quoi. Voilà. Je remonte. Là on est au mini. 2. 3. 4. Et votre turbo. Votre turbo c'est un truc de fou. Je sais pas combien de lumens elle fait, je vais pas regarder, là, dommage. Et si je trouve un lien, je vous mettrai un lien. Parce que sur Amazon, j'ai pas trouvé. Voilà. Mais c'est ça, c'est quelque chose. Oh là là, regardez-moi ça. On dirait que j'ai un sabre laser. Je suis sûr qu'on voit ça à des kilomètres là. Par contre, elle chauffe. Elle chauffe dans la main là. Pour l'hiver, elle est parfaite là. Voilà. Allez, des bisous.